Il tire à peine 13 mois, est en pleine forme. Il entend tout et développe peu à peu son langage. Il est curieux aussi, il veut tout apprendre, il veut tout voir. Mais aucune garderie n'est prête à le recevoir. Geneviève et Louis-Olivier sont tous les deux sourds, ce qui explique la présence de cet interprète. De plus, le père est aussi non-voyant. Jusqu'à tout récemment, ils avaient espoir. Une garderie en milieu familial à 20 $ par jour était prête à recevoir APL pour le 13 août prochain. Finalement, visiblement mal à l'aise devant la situation des parents, la garderie a plutôt changé d'idée. Ça devrait aller signer un contrat à cette garderie-là, lundi de la semaine passée. Oublie ça. Il n'y a rien, pas d'explication. Là, j'étais vraiment découragée. Geneviève et Louis-Olivier se sont aussi tournés vers les CPE. Seulement, à Sherbrooke, la liste d'attente s'allonge à 3000 noms. Pour l'instant, on n'a pas de mécanisme pour répondre à des demandes exceptionnelles comme ça. C'est dommage. Et peut-être qu'on est rendu là. Moi, j'en ai parlé récemment au sous-ministre de la Famille et il semblait ouvert à ça. Donc, mais il faut voir que c'est une démarche qui peut être longue. Geneviève a donc dû quitter son emploi. Elle pense sérieusement à faire appel à des organismes qui pourront l'aider à faire bouger les choses. Les responsables de garderie ou le commissaire des droits de la personne ou l'OPHQ, différentes personnes, différents endroits comme ça où on peut l'accompagner. En plus de souhaiter désespérément trouver une place pour Raphaël, Geneviève veut qu'une fois pour toutes, les préjugés envers les sourds s'estompent. C'est pas le problème dans la société, c'est pas les sourds, c'est les entendants qui sont fermés. Marie-Pierre Cornelier, TVA Nouvelles, Sherbrooke.